tout de break. Donc, j'ai été reçu ce matin par le président de la République de Guinée-Bissau, voilà, pour échanger avec lui et également pour le remercier. Hein. L'objet principal, bien sûr, de la visite, c'est de venir le remercier après ma nomination à la tête de la commission de l'UMO. Comme vous le savez, cette nomination est une décision de la conférence des chefs d'État. Donc, il était d'à propos de venir le remercier pour cette décision qu'ils ont prise, les chefs d'État. Donc, je les remercie à mon nom personnel, mais également au nom des commissaires qui ont été nommés aussi par les chefs d'État. Il y a le commissaire Diaité avec lequel je suis, avec qui je suis ici à Bissau. L'UMOA, comme vous le savez, c'est une union qui a des missions nobles, des missions nombreuses, des missions complexes. Hein, et donc, nous avons besoin de nos chefs d'État pour avoir des orientations par rapport au travail qui nous attend. Hein, donc, nous avons échangé sur ces aspects-là. Et effectivement, nous avons reçu de lui des conseils avisés. Hein, qui certainement nous aideront dans le travail que nous allons accomplir dans les prochains mois, les prochaines années à venir. Évidemment, comme vous le savez, ces conseils étaient d'autant plus utiles que nous sommes dans un contexte qui est assez difficile, un contexte lié à la crise sécuritaire que vous connaissez au niveau de l'UMOA, hein, de façon générale, hein, même si ça touche un certain nombre de pays plus particulièrement. Mais aucun pays n'est à l'abri, donc c'est une question que nous considérons globalement, aussi bien les pays touchés que les autres pays qui potentiellement aussi peuvent être touchés. Donc il y a cet aspect sécuritaire qui est important. Nous avons également parlé rapidement de la situation économique, née de Covid, qui a ralenti les économies de la sous-région, et les ambitions que nous avons d'aider à relancer les économies de l'Union. Hein, ça, c'est un enjeu partout dans le monde. Et au niveau de l'UMOA aussi, les États eux-mêmes sont en train d'engager les politiques post-Covid, donc pour relancer les économies. Et au niveau de la Commission, nous avons aussi notre rôle à jouer et nous les appuierons dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'autres défis, hein, sectoriels, bon, liés aux différents problèmes que nous connaissons dans nos États, dans les différents secteurs, hein, l'agriculture, le secteur des transports, le secteur de l'énergie, etc. etc. Tout ça, c'est des challenges au niveau de la Commission et nous comptons en tout cas sur les conseils des chefs d'État. Et comme il nous l'a dit, l'important, quand on est à la tête d'institutions comme celle de l'UMOA, moi-même, les commissaires, l'important, c'est de marquer, bien sûr, son passage, parce que c'est un processus. Hein. Il faut édifier l'Union, il faut construire l'Union sur une longue période. Hein. L'UMOA a été créé en 1994, mais le chantier est encore là. Chacun a posé une pierre à l'édifice. Nous aussi, nous voulons poser une pierre remarquable à cet édifice-là. Et cela, nous comptons bien sûr sur les commissaires avec lesquels nous travaillons, mais nous comptons aussi sur les ministres qui sont membres du Conseil des ministres, à qui nous soumettons nos textes, nos grandes décisions pour validation. Donc, c'est des acteurs clés aussi de tout ce processus-là, et certainement, ils nous aideront à mener à bien cette mission-là. Donc c'était aussi l'occasion pour moi de le remercier pour l'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée à Bissau. Vraiment, c'est un accueil chaleureux, fraternel, et sans vouloir citer individuellement les autorités, mais vraiment nous avons été très touchés par cela, et nous le remercions toutes, hein, les autorités qui nous ont reçus avec autant de chaleur, et avec le président aussi. On a eu une séance de travail très chaleureuse, très fraternelle. Donc voilà, de façon assez ramassée, hein, l'objet de nos échanges avec le président et la commission, et
vraiment dans de fortes dispositions pour renforcer sa coopération, sa collaboration avec, avec Bissau. Et nous ferons en tout cas le maximum possible pour appuyer la Guinée-Bissau dans sa politique nationale de développement économique et social. Donc voilà, de façon assez résumée, les quelques mots que je voulais tenir à votre endroit. Et je vous remercie. Merci. Merci.